محمد وما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شهيد الله الله لا إله إلا هو وملائكته وروح قامن كل بسني لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله يودي ثم هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا شيخ محمد Venez, venez, s'il vous plaît. Venez. Ah. Les mains non sont, mais sont qu'elles minent.
le akolo mi gole akolo chi be mi ti mo yo no me be mi ti aso baoru baoru je yo yo me ope agora. Jusqu'à sa demeure éternelle. Il quitte la maison où il a vécu sur cette terre. Accueille-le parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En souvenir du baptême de notre frère Roger, je bénis son corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Père du Fils et du Saint-Esprit, il a consolé, apaisé, donné de l'espoir et du plaisir à beaucoup. L'hommage que la nation lui rend avec émotion et reconnaissance est une marque de sympathie et même d'amour. Nous l'aimons tous bien. Nous prions pour lui ce matin parce que nous voulons. Nous désirons pour lui le plus grand bien, la vie avec Dieu. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul écrit, « Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juger ton frère? Et toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu, car il est écrit, « Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou devant moi fléchira, et toute langue rendra gloire à Dieu. C'est donc que chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Fin de citation. La mort, chers amis, nous met devant la toute-puissance de Dieu, et personne n'échappera à cette rencontre avec le Seigneur. Aucun de nous ne sera au-dessus des autres au point d'être exempt de cette épreuve de vérité. Mais ce moment sera pour ceux qui auront cru au Seigneur un moment de joie. La mort nous met devant la toute-puissance de Dieu avec des critères de gloire très différents de ceux qui comptent pour nous ici-bas. C'est pourquoi nous devons toujours supplier le Seigneur pour nos défunts. C'est ce que nous nous sommes rassemblés ce matin pour faire au profit de notre bien-aimé Thoron Stanislas. Thoron, comme je l'ai dit, qui a chanté pour nous, qui a dansé pour nous, qui s'est engagé pour nous, qui nous a instruits par les sages paroles de ses chants. Nous prions pour lui afin qu'après avoir servi notre bonheur, qu'il ne soit pas disqualifié pour le vrai bonheur avec Dieu. Seul Dieu qui scrute les cœurs et les reins connaît la vérité d'une vie. Nous autres, nous savons simplement avec saint Paul que tout homme est pécheur. Mais dans la foi, nous pouvons supplier le Seigneur en faveur de nos défunts et aujourd'hui en faveur de notre frère Thoron. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
bénisse le monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
la main sur le cœur. La main sur le cœur. De l'ancienne vie, d'accord. Petite caresse, bébé. Avant, sois forte. Traditionnelle, des cultures de l'eau, et porter cela avec la musicologie, la technique musicale occidentale, et en fait un système, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, il a laissé un patrimoine extraordinaire. Au-delà de tout ça, Toron Stan est un frère. C'est un frère, il est du même village que moi. C'est vrai que le peuplement mosaïque de la région d'Abomey a fait qu'il vient de la zone Adja. Mais il vient aussi d'une grande famille, d'une grande culture, d'une grande tradition, d'une grande éducation. Donc j'ai un sentiment, un mélange de sentiments, mais je regrette énormément cette disparition précoce. Toron devait être encore là, il a beaucoup à donner. Et vous voyez ici où nous sommes, c'est presque le résultat de toute une vie. Il a créé ici, j'ai discuté avec lui quand il venait faire des choses ici. Il m'a dit ce qu'il veut faire. J'ai nourri beaucoup de projets avec lui. Ici, c'est une école pour lui de transmettre ce qu'il a su faire dans sa vie, de transmettre son génie.
C'est là ce que vous voyez ici. Mais la finitude de l'homme n'est pas seulement dans ce que nous voyons comme la mort. La finitude, c'est lorsque nous n'allons pas fructifier son œuvre. Lorsque son œuvre va s'arrêter, ce serait la finitude. Mais aussi longtemps que nous allons continuer avec son œuvre, essayer de développer son œuvre, de faire traverser son œuvre, de transmettre son œuvre, je pense que Thoron ne sera pas fini. Et peut-être que son corps, nous ne le verrons plus, mais si nous travaillons sur sa musique, son genre musical, si nous en faisons une école, un style, une doctrine, une vision culturelle musicale, je pense que Thoron va traverser le temps et même aller au-delà de nous-mêmes parce que nous allons aider les générations futures à puiser dans le Thoron. Il ne faut pas voir seulement que la joie est au-delà, mais l'enseignement, l'identité, le nationalisme, mais l'ouverture aussi sur le monde. Voilà le sentiment que j'ai. Vous voyez, je suis très confus, je suis triste, mais comme moi je suis philosophe, que je pense que la mort n'existe presque pas pour un philosophe. C'est une transformation, non pas au thème de la foi, mais au thème même du cosmos, et de ce que le cosmos même est en progression, et Thoron étant une énergie, est rentré dans la grande énergie. Et en tant que tel, Thoron est avec nous, parce que confondu avec l'énergie dans laquelle nous puisons tout le temps pour être. Voilà ce que je peux dire. Titane, j'aurais voulu que ce site ici, Révier, là, soit un site connu du monde entier, que les gens viennent en pèlerinage ici, que les Bénois viennent même se ressourcer des musiciens en herbe viennent se ressourcer ici. Que Révier, le domaine de Thoron Stan de Révier, soit transformé en une sorte de musée d'art, de production, de chansons. On peut bien. L'État bénois va y penser. J'aurais voulu. J'attire l'attention des autorités à divers niveaux là-dessus pour que ici ne meure jamais parce que l'artiste ne meurt jamais. Thoron est mort, mais vive Thoron Stan. Il est toujours dans nos mémoires et il le restera toujours. Comme vous le savez, j'étais personnellement très proche de Stan et au-delà de cette proximité personnelle, en tant que ministre en charge de la culture, j'avais avec l'artiste qu'il est de très bons rapports. Et vous savez tous ce que Stan a apporté à notre pays. Et donc, oui, avec le soutien du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, nous avons pris la décision d'immortaliser son espace de vie. Cet endroit où nous nous trouvons est le dernier endroit où il a vécu avant de mourir. Et il avait ce projet dont il m'a parlé, sur lequel il travaillait, qui était d'avoir cet espace dédié au Cheng System. Nous avons réussi à obtenir de la famille qu'il soit inhumé ici même. Et donc autour de cet espace, nous voulons continuer son rêve, pérenniser son œuvre. Et le chef de l'État a bien voulu autoriser que nous puissions mettre ici le palais du Cheng System, qui sera un espace à la fois intime, parce que sa dépouille repose désormais ici et donc sa famille en aura le contrôle, mais aussi un espace festif, ludique, qui sera ouvert aux populations à des occasions de réjouissance, puisque Stan même avait commencé par construire un podium, par exemple ici, et donc l'idée est d'en faire un petit espace où le Tchèque continue de vivre au-delà de Thoron, la personne. Merci, je voudrais saisir cette occasion pour renouveler mes condoléances à toute la famille artistique. Ça a été pour nous tous une épreuve difficile, mais comme on le dit, l'artiste continue de vivre par tout ce qu'il nous a laissé comme héritage. Et je veux vraiment remercier toute la presse aussi, remercier tous ceux qui l'ont accompagné depuis que nous sommes entrés dans le déroulement des obsèques. Dire que nous sommes tristes parce que c'est une grande perte pour notre pays. Exprimer encore les condoléances du gouvernement et du président Patrice Talon à tous les artistes et acteurs culturels du Bénin. Merci beaucoup. Nous avons fait notre devoir, nous avons été là du début jusqu'à la fin.
et je pense que nous allons continuer.